Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour la découverte de Valkyrie Elysium. La version démo, elle vient tout juste de sortir sur PS5. PS4 très certainement aussi, je suppose que le jeu sort sur PS4, c'est pas notifié. Si, PS4, PS5, puisque il est pas foufou hein, au niveau qualité graphique. Il a une DA qui est très agréable, mais bon, c'est pas un jeu qui demande beaucoup. Bref, je vais pas me lancer là-dedans. Il est donc sorti et censé sortir sur PS5, PS4 et Steam. La petite anecdote dit que il sortira le 29 septembre sur PS5, PS4, mais par contre, le 11 novembre sur Steam. Alors, Valkyrie Elysium, c'est quoi? C'est la suite de Valkyrie Profile. Est-ce que c'est sa suite? Je sais pas. En tout cas, c'est dans le même monde. Le synopsis du jeu dit, il y a fort longtemps, Ragnarok, l'apocalypse mena le monde au bord de la destruction. Odin, dieu suprême, contrôlant toute chose, puisa dans ses dernières forces afin de créer un apôtre du salut à qui il confia le sort du monde. Ainsi débute l'histoire d'une nouvelle Valkyrie. Écoutez, on va se lancer et voir ce que donne le jeu. Je suis désolé pour le son, mais malheureusement, les capacités de la PS5 au niveau du micro ne sont pas fous. Allez, je vais me taire maintenant et on va se lancer. イニシエの時代、主神オーディンは兄弟たちと力を合わせ、原初の巨人を倒し、世界を創造した。大樹ユグドラシルのもと、深海、地上界、冥界、そこに暮らす神々や人間、それらすべての命が生まれた。 そして、幾世層を経たある時、平穏は破られた。神童フェンリルが世界に牙を向いたのだ。神々の居城へ攻め寄せた神童の軍勢を、主神は迎え撃つ。世界全土を巻き込む深海戦争の始まりだった。戦いは長きにわたり、 海は荒れ、大地は裂け、多くの命が消え果て、世界は崩壊していった。それでもなお決着はつかないまま、その日は訪れた。幾多の激突の末、神童の牙が主神の喉笛を裂き、主神の槍が神童の眉間を貫く。 両者は瀕死の傷を負い、深海戦争は終わりを告げた。しかし崩壊は止まらず、ついには終末を告げる角笛ギャラルホルンが吹き鳴らされた。巫女の予言書を紐解いた主神は知っていた。すでに世界は終末ラグナロクの渦中にあることを。それは予言されていた終焉、 ヴァルキリーよ、聞こえているか。私はオーディン、この世界を滑る神であり、お前の創造主だ。声が聞こえているのならば奥へと進むがよい。
Ah, c'est directement Odin qui nous parle alors. Bon, bah, ma foi, je suis agréablement surpris. Cette histoire de self-shining était un peu embêtant. Enfin, les vidéos qu'on envoyait étaient un peu gênantes. J'ai hâte de le voir tourner sur PC. Et pour le moment, ma foi, il est pas désagréable. Vraiment pas. Alors, un marqueur d'emplacement jaune indique votre destination. La distance jusqu'à l'emplacement s'affiche au-dessus. Alors maintenir L incliné, qu'on se précipite et saut, d'accord. Ouais, je peux pas sauter. Ah d'accord, faut que je le fasse avant, histoire de pas tomber. Parlant de ça, qu'y a-t-il ici? Rien. En tout cas, ma foi, l'histoire est très sympa. Déplacer la caméra vers un objectif, puis appuyer sur L2. L'enchaînement d'âmes vous permet d'accéder à des lieux que vous ne pouvez pas atteindre d'un simple saut. Ok. Ok. Alors, elle est imparable. On esquive. Ok. C'est dommage que la caméra suive pas. Alors, les ennemis vaincus laisseront tomber divers objets. Vous pourrez utiliser ces objets pour acquérir de nouvelles compétences ou améliorer des armes pour la Valkyrie. Le nombre maximum d'objets que vous pouvez tenir a été ajusté pour la démo. Eh oui. On se calme sur les objets là. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen dans les options tout de suite? On va voir ça, caméra. Non. Configuration peut-être. Aide automatique, verrouillage suivant. Ouais, distance de caméra normale. On peut augmenter la distance. Ah, ça, c'est bien. Adapte la distance de la caméra à la cible lorsque celle-ci est verrouillée et adapte la distance de la caméra depuis le personnage du joueur. Réinitialiser la caméra. Par contre, j'aurais voulu qu'elle le suive. Lors d'une attaque, la caméra se place automatiquement derrière le personnage du joueur. Cela facilite le contrôle de la caméra. Oui. Oui, donc c'est ça, réinitialiser la caméra. Ouais, ouais, ouais. Distance normale, on va voir ce que ça fait. Ok. Et si là, j'interviens... Ça frappe bien. Ouh, ça frappe bien. Coup de pied latéral. Coup de pied laissé avant. Ouais, il joue bien. Ça joue bien. On va essayer d'augmenter. Je suis désolé, après j'arrête de vous embêter avec ça, mais... On va essayer maintenant de mettre la distance de caméra au plus proche. Ouais, c'est chouette. C'est bien, je préfère ça. Ah, ça c'est chouette qu'ils puissent le faire. Commande, caméra, réglage audio. On n'a pas d'autre chose que ça. Hein, pour le moment. C'est très flou quand même. Je pense qu'on doit être en 1080, j'ai l'impression. La jauge de santé de la Valkyrie s'affiche sous elle. La jauge s'épuise au fur et à mesure que la Valkyrie subit des dégâts en partie. Et la partie, pardon, se termine une fois que la jauge atteint zéro. Utilisez des objets et des âmes vertes pour
pour restaurer votre santé. Verrouiller avec R. Ok, on change de cible. Verrouillage de la cible, ouais, d'accord. Ah, faut que je me protège, je suis bête. Bah, ah, vas-y. Ouais, t'as pour voir si je peux te parer, je peux te contrer. Je sais pas, bon tant pis. Dans les airs, en taille aérienne. Ah oui, faut faire ça dans les airs. Il faut suivre le didacticiel. Hein. Ouais, le système de combat est vraiment sympa. Ça joue très bien pour l'instant. Enchaînement d'âme. Déplacer la caméra vers un objectif, puis appuyer sur L2. Eh oui. Oh, excusez-moi. Alors... L2, je suis bête. バルキリーは死者の魂を刺激する力がある。特別に私が感知した魂の情報を共有してやろう。OK. En tout cas, il y a un joli château qui arrive. Pas de soucis, Odin. Pas de soucis, c'est toi qui vois. Invoquer un Herjar en maintenant R1 en appuyant sur la touche associée. D'accord. Ça, c'est des sorts spécifiques. Ah, on peut invoquer un mec. Oh, cool. Oh, génial. Vous voyez votre Final Fantasy origine, voilà comment ça aurait dû être. La jauge d'âme est affichée sous la jauge de santé. Invoque Aija puis dans la jauge d'âme, alors que les objets et les 1 peuvent les restaurer. Il existe plusieurs types d'âme, la zarpette, restauration de sa santé, le bleu, la jauge d'âme, et le jaune, acquisition de compétences et amélioration des âmes. Ok. Ils disparaissent tout seuls, eux, ou pas? Ah ouais, ça joue bien, là. R2 et appuyer sur rond, triangle, carré, voilà. Utilise les airs divins avec R2. Ah, ok. Nous aussi, on a nos attaques, quoi. C'est excellent. Ah ouais, d'accord. Allez, bouge-toi avec ça. Ah, ils zonent pas l'électricité, hein. La jauge d'art est affichée sous la jauge d'âme. Utiliser les arts divins via la jauge d'âme. D'art, pardon. Alors que l'utilisation des objets d'exécution de combo plus longs permettent de la restaurer. Il faut que je frappe un maximum. C'est bien, ça nous force à aller à l'attaque. C'est bien parce que Valkyrie Profile avait comme ça des groupes d'humains. Enfin, de personnages. Et c'est bien qu'ils le mettent à jour avec la 3D, quoi. Et le faisant intervenir comme ça, c'est encore mieux. J'en profite, je suis désolé, je me balade un peu partout, je regarde un peu le lieu. Verrouille une cible avec R3, presse R1. La touche liée à votre Herjar. Ok. On peut comme ça récupérer des puzzles.
Génial! Extrêmement bien raté. C'est pas long. Faut pas perdre de temps. Ah si, pourtant. C'est moi, j'ai mal sauté. C'est très chouette, hein. Petite démo, là. J'avais un peu peur du jeu, parce que graphiquement, vraiment, ça paraissait bizarre. Et en tout cas, la jouabilité est très cool. On verra pour l'histoire, mais je suis pas inquiet pour l'histoire. Les RPG font toujours de bonnes histoires, très souvent. Invoquer un Einherjar, je sais pas du tout comment ça se dit ça, ajoutera son élément aux attaques normales de la Valkyrie. Lorsque deux Einherjar sont invoqués, R1 plus touche liée à votre Einherjar. Lorsque deux 1 sont invoqués, vous pouvez échanger leurs éléments en maintenant enfoncé R1 et en appuyant sur la touche correspondante. Ah oui, d'accord. Avec l'effet secondaire actif, R2, tout art divin possédant le même élément que l'un actuel, Avocrat sera plus puissant que le normal. Mais donc faut que je les invoque avant quand même. Et là, voilà. Ça claque. Ah, c'est pas mal, hein. Et puis, alors, le fait de pouvoir bouger la caméra et de se rapprocher, franchement, pourquoi ils ont pas mis ça dans les Assassin's Creed, surtout les derniers sortis là. Quel plaisir d'avoir son personnage comme ça proche. Évidemment, après pouvoir le bouger, mais pouvoir voir comme ça tous les petits détails en fait des zones. Les ennemis possédant tous des vitalités élémentaires et une jauge élémentaire. La jauge élémentaire est affichée sur le côté gauche de la jauge de santé. Les attaques avec des éléments auxquels ils sont vulnérables remplira leur jauge d'élémentaire. Une fois que celle-ci est pleine, les ennemis passeront à l'état de domination élémentaire. Ouais, il aime pas ça, hein. C'est bon. Ouais, faut pas hésiter à aller au charbon quand même, hein, parce que effectivement ça va nous booster comme ça nos attaques. Non, on va pas vers l'autre pont là. Franchement, le système de combat est super chouette, hein. Pour qui aime péter des trucs, toujours important de péter les choses. Faut pas passer, dommage. Ça reste une démo. Je sais pas du tout si ça va être complètement ouvert ou pas. Alors, avec R3, R1 et voilà. Il allait s'en faire de ça. Allez-y, on va. Ouah, mais t'es impuissant, toi. Gemme magique. Un cristal imprégné de magie. Un matériau essentiel pour l'amélioration des armes. Parfait. Et franchement, c'est ultra agréable à jouer.
ほどからお前が戦っているのはアンデッドと呼ばれる亡者たちだ。不浄なる魂の慣れの果て、実に汚らわしい存在だ。Ouais, ouais, hein. C'est les vilains, quoi. Mais c'est super chouette. Oh, il faut pas que je regarde ça, par contre. Allez, en jupe, oui, alors. Tout de même. Alors, viens, toi. Eh non, calade. Enchaînement d'âme L2. Non, rien ici. Ah mais si, ici. Si. Mais si. Voilà. C'est du joli, du bel escalier, hein. Du bel ouvrage. Hein. La jauge de combo s'affiche à droite de l'écran. Frapper un ennemi augmente la jauge, elle commencera à se vider au fur et à mesure du temps. Vous pourrez poursuivre les combos en effectuant des attaques successives avant la disparition de la jauge. Ah oui, c'est quoi ça? Ça fait pas grand chose, je crois pas. Ah si, ils ont pas aimé. Et voilà. Et voilà. Bon, c'est un peu vide, hein, mais... C'est une démo. Quoi? Pourquoi t'es bloqué, là? Alors appuyez sur L2 lorsque vous voulez, vous avez verrouillé pardon une cible ennemie. Ouais d'accord. On peut utiliser le grappin. Ils sont où? Voilà. Il est par terre, lui. C'est super rapide, ça marche bien. Ça fonctionne très très bien. C'est très nerveux, très rapide, c'est chouette. C'est vite par contre. Ça c'est un peu dommage. La fois c'est joli. À l'extérieur ça va. Alors où faut-il aller? Il faut dire deux là.
Je peux rien classer. Là, il y a un truc, je sais pas si on peut voler dessus ou pas. Si, ça y est. Est-ce que je peux sauter? Ça passe. Ça claque bien. Ça claque bien. Ah, c'est super bien fait. Ça frappe très très bien. Pour l'instant, alors c'est le début du jeu, mais c'est très très jouable. Après, je sais pas si je vais pas m'y perdre, mais c'est combat sur combat comme ça. Oh, certains grands ennemis ont des points faibles spécifiques. Détruire ces points faibles, les étourdir pendant une longue période de temps. Ouais, donc il va falloir effectivement les frapper là où il faut. Toc, toi déjà. Grâce à l'acquisition de compétences, la Valkyrie peut invoquer automatiquement un Nerjar dans des circonstances spécifiques. Ma foi, ça frappe très très bien. Je vais m'excuser deux petites secondes et je reviens tout de suite.
excusez-moi. On va reprendre et finir la vidéo parce que je pense que la démo doit pas être si longue que ça. Il doit y avoir un boss final ou quelque chose qui la clôture. En tous les cas, quel jeu quoi. Ah ça. Faut qu'on me laisse, madame. Elle est mort, très bien. Rien d'autre. Ah. Eh ouais, ça devient dur quand même. L'obstacle ultime. Ah là, il va y avoir un boss là, à tous les coups, non? Excellent. Dégâts élémentaires et destruction élémentaire. Les ennemis possèdent tous des vulnérabilités élémentaires et des jauges élémentaires. La jauge élémentaire est affichée sur le côté gauche de la jauge de santé. Les attaques avec les éléments auxquels ils sont vulnérables rempliront la jauge élémentaire. Une fois celle-ci pleine, les ennemis passeront à l'état de domination élémentaire. On a déjà vu ça. Alors... Frapper un boss d'un dard divin alors qu'il est en état de destruction élémentaire l'immobilise pendant une période plus longue. Lorsqu'ils ont été immobilisés, les ennemis sont complètement sans défense. Toutefois, lorsqu'un boss a récupéré son immobilisation, vous ne pouvez plus temporairement remplir sa jauge élémentaire. D'accord. On va attaquer quand même. On va voir tout. Aïe, il a failli s'y attendre. Allez, on envoie tout. Reviens. Ça par contre ils disparaissent, c'est un peu chiant, parce qu'on sait pas combien de temps.
Elle envoie tout. Et voilà. C'était cool. Bon, c'était simple, mais c'est normal, hein. C'est une démo. C'était super chouette. Le système de combat est vraiment très très bon. J'aime magique à cristal un poignet de magie, d'accord. Que se passe-t-il maintenant? Il nous a demandé de nous élever. Revenir au Valhalla? Eh ben allons-y, je pense que c'est la fin de la démo. Alors c'est lui, Odin. Très très bien. On est au Valhalla. C'est carrément chouette. C'est dommage qu'elle soit fou comme ça, elle. Parce que sinon, ça serait presque parfait. Hein. Je suis très très agréablement surpris par le jeu. Je m'attendais à ce qu'il soit bon, mais... J'avais un peu peur avec le niveau graphique, je le répète. Ragnarok no kachu ni aru. Subete ga horobi ni hin shite iru no da. Saki no sensou de shinkai, soshite chijoukai kara ooku no inochi ga ushinaware, watashi mo ashiki shinrou o aite ni fukade o otta. Sono naka de kyūsai no shito toshite お前を想像した。主神オーディンがお前に使命を与える。我が手足となりて世界を救え。仰せの通りに。まずは地上界へ向かい、魂を浄化せよ。今や地上界には多くの魂が。滞留し続けている。これらを浄化し、世界の崩壊を食い止めよ。承知いたしました、オーディン様。Alors, rendez-vous à Midgar. Parlons lui reparler pour ça, peut-être il va nous TP. Touchez le globe. Lorsque tu souhaites te rendre à Midgar, son pouvoir t'y transportera instantanément. Alors, n'attends plus, le temps baisse. Allez, cool, Odin. Alors, c'est comme ça que ça va se... Enfin, se comporter, Hein, voilà, il est tard. Territoire de Belz. Belz. Purification d'âme. Donc on a une quête principale et des fleurs illusoires à récupérer. Alors que le Ragnarok ravage le monde, Odin, père tout puissant, crée la Valkyrie, sa passeuse d'âme. Odin lui ordonne alors de se rendre à Midgar et de purifier toutes les âmes égarées dans le but d'éviter la destruction du monde. Pour récupérer une Bolberk. Afficher les objets déposés. D'accord. Pour faire la quête? Oh. Elle est longue, cette démo.
Alors, didacticiel, afficher la carte. Cliquez sur la touche du pavé tactile, afficher la carte. La carte affiche l'environnement de la Valkyrie ainsi que ses emplacements des dalles de mémoire et des fleurs illusoires. Revoir le didacticiel. Vous pouvez revoir le didacticiel précédemment affiché depuis la collection qui se trouve dans le menu. Ok. Rendez-vous au château de Belz. Eh bien, écoutez, nous, on va s'arrêter là. Je ferai peut-être une suite à cette démo. Pas forcément, parce que le jeu va sortir dans pas longtemps. C'était histoire de vous montrer un petit peu cette petite découverte. Rien d'extraordinaire, tout le monde peut la récupérer. Mais n'hésitez pas, parce que sincèrement, je suis très agréablement surpris par le jeu. Ça me motivait, ça me hypait quand j'ai appris qu'il allait sortir parce que les deux premiers qui étaient sortis étaient vraiment très très bons. Maintenant, j'ai jamais vraiment joué, en tout cas pas très longtemps. Et en tout cas, ils étaient connus pour être bons. Hein. Et c'est vrai que quand j'ai vu le style graphique, j'étais un peu inquiet. Si je le prends, je le prendrai sur PC parce que je vais être sûr d'avoir du 60 et d'avoir peut-être des images un peu moins floues. Là, ça va mieux déjà. Mais en tous les cas, la jouabilité du titre est super agréable, quoi. On peut vraiment faire plein de choses. Je n'ose imaginer quand on aura 4 persos à trimballer un peu partout, parce que je suppose qu'on en aura 4, hein, puisqu'on a des emplacements. Donc ça devrait le faire. Et d'ailleurs, je les ai plus, mes emplacements. Eh hey, hé. C'était pour le didacticiel. Allez, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vais vous dire à bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, je vous dis au revoir.